Je vais me faire arrêter pour filmer les maisons des gens, mais bon, c'est pas grave. It was worth it. Oh, on est curieux, regardez. Vous allez pouvoir voir mon ombre galérer, oh my god. Vas-y, on fait un vélo karaoké. Un vélo pool karaoké. Eh ben dis donc, elle a pas inventé la mobilité celle-là. Hein. You wanna play this game with me? Et what's up tout le monde, c'est Sainz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre vlog à Los Angeles. Je suis actuellement à Venice Beach, à moitié à poil. On est en train de faire des photos avec Annabelle qui est là-bas. Et on fait des petits photoshoots autour des lieux iconiques en fait de LA. Du coup c'est un peu la galère, genre attends, je vous pose dans le sable. Je me suis maquillée à l'arrache dans la voiture aujourd'hui, enfin c'était n'importe quoi. En plus je suis en chaussettes dans le sable, donc c'est un peu compliqué. Je fais alerte à Malibu. Du coup on va aller faire des photos là, on a fait 2-3 photos en maillot. Oh, il y a des gens qui surfent. On dirait des otaries mais genre c'est des gens, des êtres humains comme vous et moi. Bon les gars, on vient juste de faire quelques photos. Je vous les mets sur le côté là et je vous ai mis sur Instagram si ça vous intéresse. J'avais oublié à quel point c'était galère de marcher dans le sable. Look at this beach. What the fuck? Is that a dead body? Je sais pas pourquoi il fait des photos de son équipement de plongée tout nu. Ah, il fait peut-être une vidéo. Oh, c'est stylé. C'est une bonne idée, je vais le plagier, tiens. Bon, maintenant que je me suis habillée, c'est bon, je vais pas me faire arrêter dans la rue. Même si je suis habillée comme Mario, genre. En fait, je vous explique, le matin, je me suis réveillée, il était 4h30. Et si je me force pas à me rendormir, bah impossible. Mais du coup, je me sentais pas très bien, quoi. Donc, je suis restée dans mon lit pendant genre 1000 ans. Le rendez-vous ici, c'était 8h30. Et j'ai pris mon Uber, genre à 7h30, un truc comme ça. Il est arrivé tout pile. Mais du coup, j'ai pris toutes mes affaires, j'ai tout pris. Enfin, je me suis habillée en one. Du coup, ça me fait chier parce que j'ai des fringues beaucoup plus beaux que ça. Et du coup, je me retrouve avec une salopette de Mario. Niveau Instagrammable, je pense en quoi. Fun fact pour vous, j'étais sur Airbnb Experience. En fait, je cherchais un shooting photo et je voyais qu'il y avait plein de shooting photo sur LA. Et je sais pas si vous connaissez, il y a la youtubeuse Lena Situation. Et du coup, elle avait fait un shooting avec la fille qui gère celui-ci. Et du coup, quand j'ai reconnu, j'étais là, genre, non, mais pourquoi pas. Regardez comment c'est trop cute. Oh, je vais me faire arrêter pour filmer les maisons des gens, mais bon, c'est pas grave. It was worth it. Waouh. On est à San Juan Avenue et genre c'est trop cute. Ouah les gars, c'est quoi ces baraques là? Eh, le jour où j'ai assez d'argent, je m'installe ici, genre ça sera ma future maison. Dès que je vais voir une maison que j'aime bien, je vais être là. Oh non, finalement celle-là. Oh non, celle-là. Non. Quoique, celle-là c'est bien aussi. Bon du coup là on a fait quelques photos sur les murs etc. Et là on va bouger je ne sais pas où. Where are we going? We're going to the Venice Canal. Ok, on va à Venice, au canal Venice. Enfin bref, je sais pas comment on peut traduire ça. Excuse me, what the fuck? Regardez, oh c'est trop beau. J'adore. Waouh, on est curieux, regardez. Hello. Il est encore en vie au moins parce que bon, t'imagines tu vis ici, tu te lèves le matin, tu piques une tête, allez hop. Même si moi je le ferais pas hein, personnellement. Bon les gars, je suis désolée de vous harceler mais regardez un peu genre la baraque là-bas. C'est trop beau, j'en peux plus. Il y a trop de belles choses, je peux aller là-dedans. Vous croyez que si je vais là-dedans je me fais arrêter ou comment? Il en est du photoshoot, on a été faire pas mal de photos. Du coup j'ai été me chercher à manger. Sans rigoler, ça fait sur les 35 dernières heures, j'ai dû manger un petit cake comme ça et une barre protéinée, enfin n'importe quoi. Le jet lag ne me va pas du tout au teint, ni à l'estomac, ni aux intestins d'ailleurs hein. Du coup voilà, je me suis pris ça, ça a l'air super bon, genre oh my god. C'est egg slot. En vrai slot ça veut dire ça en anglais. Donc il y a des cornichons, il y a de l'avocat, un œuf de poule élevé en plein air, enfin franchement trop bien. Ça m'a coûté un bras mais au moins ça vaut le coup parce que les poules sont libres. Du coup voilà, je suis de nouveau toute seule. Il est actuellement je crois 11h. Aujourd'hui j'avais prévu de rencontrer une fille et je lui ai dit vas-y tu sais quoi, on se voit à 13h à Venice Beach. Puis elle m'a dit bah j'ai cours jusqu'à 15h. Du coup je sais pas quoi faire. Six and a half hours later. Bon les gars, je viens actuellement de taper ma meilleure sieste. J'en pouvais plus, du coup je suis rentrée faire un petit dodo. Et là je vais aller... Je suis en train de me battre avec le vélo. J'ai pris le vélo pour... aller chercher des courses parce que j'ai toujours pas été acheter quoi que ce soit. Du coup je vous emmène avec moi, on va faire un peu de vélo. Ok donc vous voyez absolument pas ma tête actuellement, vous voyez juste mes nibards, c'est super cool. Du coup j'avais trop mal au crâne, du coup j'ai mis mes lunettes hein. Du coup j'ai plus mes beaux yeux bruns, clair, snip. Et j'ai revêtu ma meilleure tenue. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo. Oh, ok ça fait super longtemps. Thinking what do you see. Oh je suis trop moche comme ça, attends, c'est pas possible. Bon je vais essayer de pas me faire écraser ni de... écraser qui que ce soit. Je sais faire du vélo, hein, c'est pas ça, mais ça fait tellement longtemps. Ça va être comique, ça fait. Heureusement, c'est pas loin, c'est à 6 minutes en vélo. Normalement, je suis censée rouler sur la route, tu vois. Mais moi, je suis une grosse tapette. Attendez, je vais vous montrer l'autre côté, l'envers du décor. Vous allez pouvoir voir mon ombre galérer, oh my god. Donc, normalement, c'est la rue à gauche, là, si j'ai bien retenu. Putain, j'ai déjà oublié. Oh my god, c'est quoi ces arbres qui. Ah! Les gens, ils me voient juste parler tout seul, ils comprennent pas qu'il y a une caméra.
Vous voyez à quel point c'est pas du tout stable quand je fais du vélo. J'ai l'air d'une débile avec mes lunettes, enfin, en plus ça me fait des gros sourcils genre quand je fais mes sourcils plus mes lunettes. Mais bon c'est ça ou le mal ophtalmique, je vous aime beaucoup mais je préfère encore avoir pas mal au crâne que d'être belle pour faire un vlog avec des lentilles qui m'arrachent les yeux. Je dois traverser une route genre huge. Je vais mettre une musique libre de droit déjà demain. Ah non, je vais mettre un truc cool qui va vous enjailler. Vous avez reconnu? Ah, vas-y on fait un vélo karaoké. Un vélo pool karaoké. Hi. Dans 2 minutes vous me retrouvez dans le décor à côté. Gotta work on my swing. Gotta do my oh my god. And I recognize your face. It's such a scary place. Oh yeah. Maloku, yeah. Où est-ce que je suis maintenant? Oh m***. Je suis beaucoup trop à droite. Ah je crois que c'est là, c'est pour ça à droite. Faut que je traverse ça. Je vais crever. Je vais mourir moi. Je traverse ici. Je vais vous montrer un peu l'état de là où je dois traverser genre. Là. Là. How about no? C'est genre tout dire que sur le vélo. Ah y'a plein de merde. Putain mais où le... C'est ça, avoir un chemin à droite là. Je l'attends toujours. C'est quoi ces routes là? Oh. Oh my god, j'ai failli me prendre l'arme. Mais c'est quoi ces routes? Vous voyez là? Ça là? What the fuck? Mais c'est quoi ces trottoirs? Blind test, vous devez reconnaître ce que je chante. So seductive. Oh, merde. Bon, mis à part ça, j'ai un peu honte que c'est censé être un trajet de 6 minutes et que je l'ai fait en 21 minutes, mais c'est ok. Bref, on se retrouve après. J'aime trop, c'est genre les grands supermarchés américains. Oh merde, je vais rentrer dans la caserne. Étant donné que c'est la Saint-Patrick, je trouve une bonne excuse pour m'acheter ces magnifiques cookies Saint-Patrick Day. Pour chaque déjeuner, ça a l'air dégueulasse. J'avoue que ça. Ça me tente, genre c'est vraiment les trucs américains qui font qu'ils sont super obèses. Le problème c'est que j'ai rien pour manger genre. Mais je vais pas manger ça tous les matins, enfin, je vais choper la mort à la fin. Bon du coup, je sais pas ce que je vais prendre pour déjeuner. Je pense que je vais prendre des croissants. Mais il y en a genre un milliard. Ils sont trop sympas le mec, il est ok que je filme ma tête et tout, genre tranquille. Tant que je filme pas les gens c'est bon. Et tant qu'on pique pas ma caméra aussi sinon je pète un plomb. Le problème c'est qu'ils ont que des grosses promos avec genre un milliard de croissants dedans. Mais excusez-moi, je n'ai qu'un seul estomac hein. Oh my god, la pastèque, oh. Je craque, 2€. J'avoue que c'est pas du tout raisonnable mais je m'en fais. Qui a dit que j'étais raisonnable d'ailleurs? Personne. Et les gars, let's get naked. Alors en fait les gars, je vous ai pas dit mais en venant ici j'espérais vraiment perdre du poids pour devenir mannequin. Du coup j'ai acheté cette magnifique diète, ce gâteau de diète. J'hésite vraiment pour les donuts mais il y en a beaucoup trop genre. Qui mange autant de donuts? Enfin what the fuck. Faut avoir un estomac, faut avoir un verre solitaire dedans, je sais pas mais. Crème sucrée, c'est bien ce que je lis. En vrai les gars, juste 2 secondes, qui voudrait manger genre ça? Genre potato, steak, machin, you. Je vous range à nouveau. Soyez bien sage, bien protégé dans mon petit sac. Voilà, ne bougez pas. Oui, non, non. Goûti, goûti, goûti. Attendez, vous êtes en train de vous dévisser là, ça va pas du tout. Hein. Vous enfuirez pas de ce sac quand je vous le dis, hein. Vous restez là avec moi. Si je dois subir les courses, vous subirez aussi. Hein. Les mac and cheese, ça a l'air dégueulasse. Je crois que j'ai déjà goûté une fois, c'était ignoble. Genre, c'est du fromage mais en poudre. Enfin, c'est dégueulasse. Mais je vais quand même en prendre. Hi, tenez vos plastic bags. Eh bah, dis donc, elle a pas inventé la mobilité celle-là. Hein. Je demande un sac. La meuf, elle me donne les courses. Dans le sac et au moment de payer elle me dit tenez, elle me lance sur le tapis, c'est la genre what? Je vais vous montrer à quel point je suis et inobservatrice. Le truc à vélo est juste là et moi j'ai été le fourrer là sur le truc parking handy pour handicapés. My damn ass. Bon du coup je vous retrouve tout à l'heure quand j'arrive à la maison. Bon, voilà c'est bon je suis rentrée. Ça n'est sauf parce qu'avec le sachet plastique de la femme, en gros mes courses, j'ai pris une grosse boisson genre énorme comme ça. J'ai failli le trouver mais bon j'ai trouvé une technique et je suis rentrée 10 fois plus vite que je ne suis arrivée là-bas. Donc je suis plutôt fière de moi à vrai dire, c'était pas très compliqué. Du coup là je vais manger mes petites pastèques froides avec mon super smoothie. J'ai envie de goûter, ça a l'air d'être trop bon ça. Genre smoothie avec, oh my god, pommes, bananes, myrtilles, vous voyez rien mais c'est pas grave. Oui au fait parce que peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont capté, j'étais censée voir une fille cet après-midi et tout mais là il est déjà 18h45 et en fait comme j'ai tapé ma sieste et qu'elle avait cours, on s'est dit qu'on se verrait demain à Venice Beach donc voilà. Du coup je pense que je vais passer le reste de la soirée pour une soirée repos cette fois-ci parce que ça fait 2 jours de suite que je rentre, il est 22h alors que genre je suis en plein jet lag. Là je vais un peu mieux mais du coup je vais en profiter pour me détendre parce que j'ai mal au crâne. Mais en tout cas j'espère beaucoup que cette journée vous aura plu comme les autres vlogs et on se retrouve lundi prochain pour la suite de mes aventures à Los Angeles. Ciao ciao.